Aujourd'hui, donc, on a le plaisir de recevoir Martine Cagnazzo, qui est la présidente du comité des fêtes de l'Escarène. Alors, l'Escarène, bonjour. On est très content de vous avoir invité parce que c'est délicieux tout ça. Là. Ça va être très bon, vous allez goûter. Merci bon. Martine. L'Escarène, c'est où par rapport à Berre? Oh, c'est à 20 minutes en dessous. On entretient des relations très amicales avec Berre. On a fait plein de projets, une Escarène Berra, donc un parcours botanique. Et on fait des randonnées. On a l'Escarène et Berre. C'est vraiment des grands moments, toujours partagés. Super. Alors, je crois que vous êtes venu nous parler en particulier, en fait, d'une foire. On va y revenir. Mais bon, on peut dire que l'Escarène, ça bouge parce qu'il y a une grosse programmation toute l'année. Hein. Oui, on essaie de faire beaucoup de manifestations diverses et variées. Et ça marche plutôt bien. Hein. On a cet été fait venir pour notre fête patronale, eh bien, Dev. Ça a été un grand succès. Oui, je sais que vous êtes fan. Ah, mais oui. j'ai toute cette discographie. Et ben, ça a été un grand succès. Vanina, et on va recommencer. Rappelle-toi. Ou du côté de chez Swann. Hein. Du côté de chez Swann. Mais il était à l'Escarène cette fois-ci. C'était le texte, la poésie que je voulais dire tout à l'heure. Donc, oui, moi, hein. Je viens vous parler surtout eh bien, de notre foire de la Saint-André le 26 novembre. Où cette année, eh bien, on va faire une expo au vieux moulin, de son ton artisanaux. Le vieux moulin, est-ce que c'est des images du vieux moulin oui, là, que ça. J'ai là oui. Alors, on a un très beau livre ici, ce sont des aquarelles, c'est oui, ça Oui, c'est ça. On a rédigé ce livre en 2008, on était quatre et ça a été un grand moment, une année de travail, mais on a un chef-d'œuvre. C'est on est vrai, fiers oui, de ils sont ça. Fiers, mais ils ont oui, vrai, on est fiers. Et on peut le trouver alors À l'office de tourisme et en mairie. Ah oui, parce que c'est un très bel objet. D'abord, c'est un très bel objet. On est très sensible avec Nania aux beaux objets. Tout à fait. Et puis les dessins sont très beaux. Ah oui. Très très beaux. Voilà. On a parlé de notre aquarelliste local. On a parlé aussi des santons. Vous voyez, celui-ci est articulé. Oui. Ah tiens, oui. On dirait Richard. Il est en terre, hein, c'est mort. Ouais. Excellent. Je crois qu'il y a un apéritif géant. Il y a quelque chose autour de... Oui, autour de la foire de la Saint-André, la tradition veut qu'on fasse déguster du truffe et de la tourte de blette. Mais j'ai apporté ça pour vous. Ah oui, et en plus déguster, vous voulez oui. dire. Mais alors, moi, je suis gourmand. Alors, ça lui plaît, c'est sa alors, partie. C'est ça, voilà. C'est de la tourte de blette. La tourte de blette, d'accord. C'est une spécialité escarénoise. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans eh bien, c'est de la tourte de blette, enfin de la pâte feuilletée, de la blette, du riz, visiblement, à l'intérieur. Celle-ci, et salé, mais j'en ai apporté de la sucrée. La sucrée aussi. C'est un dessert typique niçois. C'est ça, ça c'est traditionnel de oui, niçois ça. Mais le alors, truc de chez nous. C'est très très ça bon. Ça vous plaît? C'est super bon. Vous voulez goûter? Il y en a. Et le truffe, pour le coup, c'est une spécialité escarénoise et qui n'est faite que dans cette période. Et on la trouve donc à l'auberge du château et au restaurant, au café de l'Union. Et les gens sont friands de ça. Et le truffe, qu'est-ce que c'est là? Eh bien, c'est un petit boudin avec de la blette. Hein, on va nous l'apporter. Avec du riz. Merci beaucoup. Très bon. Donc, la particularité de ce truffe, eh bien, c'est que... Mais je récupérerai vos couverts, je crois. La particularité, c'est qu'en fait, il n'est pas frit comme le boudin, mais il est bouilli. On va le montrer. Ah, il est bouilli. Voilà, c'est bouilli. Ah, oui. Il est bouilli. Donc, dans une eau frémissante. Voilà, on va faire de jolies tourtes. On va manger de la tourte et des truffes. Ah oui, et c'est un apéritif qui est offert par la mairie. Donc, on vous invite à y participer. Alors, on va vous laisser faire votre annonce. Voilà. Vous êtes venu pour nous annoncer un événement à notre casting du 13h. Il est l'heure de le faire. On va vous laisser face à notre caméra. Vous avez 30 secondes. Eh bien moi, je vais vous inviter donc à notre foire de la Saint-André pour déguster notre truffe et notre tourte de blette, participer à notre au vote public de notre concours d'art floral et venir nous rendre au Moulin Musée, au Moulin Musée et donc pour visiter notre première exposition de santons de Provence. Bon. Je vous remercie. C'est un très bel appel. On vous souhaite beaucoup de succès, Martine. Merci beaucoup, Nadia. Et merci beaucoup au plaisir. Et vraiment heureuse d'être venue. Oui. Merci. Alors,